Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un concours. Il se trouve qu'il y a quelques temps déjà, oui il y a un moment, mais j'avais eu la chance, le hasard de recevoir ma commande Sephora 2 fois. Donc ça m'a permis de vous faire des concours, là c'est le 3e et dernier en ce qui concerne ces produits là en tout cas, puisque là ça y est j'ai plus de double arrêt. Mais toujours est-il que j'ai encore 2 produits donc qui sont encore emballés, hein, qui n'ont jamais été utilisés, que je peux vous faire gagner cette fois-ci. La prochaine fois, bah, je ne sais pas quand ça sera, quand j'aurai les moyens de m'acheter des trucs en double pour les faire gagner. Bref, donc j'ai 2 produits, j'ai un Melted de Too Faced dans la teinte Chihuahua. Donc celui-là, il est tout neuf, hein, et puis c'est le vrai, hein, puisqu'il vient de chez Sephora, hein, c'est pas une reproduction, quoi. Et donc voici le mien, donc là c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un nude qui tire un petit peu sur le... Donc c'est un nude qui porte un petit peu sur le marronné, qui peut à mon avis aller à beaucoup de carnations. Donc voilà comment il se présente. Ça c'est le mien, dans la teinte Chihuahua. Je vous le swatch. Moi les Melted de Too Faced c'est des produits que j'aime bien, hein, vraiment. Je vous avais fait une revue il y a quelques temps, je vous la mettrai en fiche là. Mais j'aime bien la formulation, j'aime bien l'applicateur, j'adore l'odeur. Ils sont pigmentés mais ils sont pas assez chants. Globalement je suis assez fan de ces produits là. Donc je suis assez contente de vous en faire gagner un. Et le deuxième produit c'est un gloss de la marque Dermophile. Donc le voici, le voilà. Donc c'est un Hydra Gloss qui sublime vos lèvres. Ultra brillant, hydratation longue durée, répare les lèvres desséchées. Léger voile rose irisé. Efficacité 4 heures prouvée, testé haute tolérance. Dermophile prend soin de vos lèvres au quotidien avec Hydra Gloss, l'alliance d'un soin hydratant qui répare les lèvres desséchées et d'un brillant intense. Formule haute tolérance, testée sous contrôle dermatologique, blablabla. Soin élaboré, fabriqué en laboratoire pharmaceutique. Donc ça, je l'avais pas eu... dans ma commande Sephora, je sais pas si c'est vendu chez Sephora, je l'avais eu ailleurs. Et donc j'ai le mien que je vais également vous swatcher. Vous voyez, c'est un embout comme ça. Et donc c'est censé être hydratant comme un baume hydratant, mais brillant comme un gloss avec un petit peu de couleur, vous voyez, mais c'est léger. Et c'est pareil, moi ce produit-là, je l'aime assez. Il est plutôt sympa. Donc voilà pour les produits à gagner, je vous propose de gagner ces 2 produits pour une personne, il y aura un gagnant ou une gagnante. Donc comment participer? Il faut être abonné à ma chaîne et ensuite j'ai fait un petit quiz sur le site Tom Quiz que je vais vous lister évidemment en barre d'infos. Il faut absolument aller faire le truc sur Tom Quiz, hein. Si vous vous contentez de me dire que vous participez en commentaire, ça sera pas pris en compte, hein. Donc une fois que vous êtes allé sur Tom Quiz participer, vous pouvez revenir me dire en commentaire que vous participez, ça sera avec plaisir. Mais il faut absolument aller sur le site que je vous indique et c'est le site qui se chargera à la fin du concours de faire un tirage au sort de façon complètement aléatoire, hein, évidemment. Et ensuite moi je vous communiquerai par mail, j'enverrai un mail à la gagnante, voilà, ou au gagnant. Donc le concours est ouvert dès aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, le 1er octobre à midi, et il va durer un mois, donc jusqu'au 31 octobre à 23h59. Ça sera la clôture du concours. J'espère vous voir nombreuses et nombreux à participer. J'ai oublié de vous dire France métropolitaine uniquement, je suis désolée, mais vu que j'envoie ça à mes propres frais, je peux pas trop me permettre de l'envoyer à l'autre bout du monde. Donc France métropolitaine. Voilà, c'est tout. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. J'espère que ça vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner du coup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.